L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Toute mère, c'est d'avoir ses enfants avec le même père. Et je pense aussi, suspect, tu peux me contredire, que ce que le père souhaite, c'est d'avoir les enfants avec la même mère. Ouais. Mais pour cas de force majeure, souvent ça ne se passe pas comme prévu. Souvent, tu as une maman, tu as des enfants de pères différents, et vice-versa, pour les papas, ils ont des enfants de mères différentes. Comment ça se passe? Comment on arrive à coparenter? Bon. Comment même on arrive à se laisser? Pourquoi est-ce qu'on se laisse? C'est quoi? Comment réussit cette partie de la vie-là? Aujourd'hui, c'est des gens qu'on va écouter. Il y a beaucoup de questions. Moi-même, je me pose beaucoup de questions. Mais pour avoir les réponses à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, 78e émission. Désolé de toujours compter, parce que 78e émission, ah non, quand même. Ça fait longtemps qu'on est ici. Ça fait longtemps, tu vois. Non, il y a l'impression que ça va être 5 ans, en fait, ça, tu vois. 5 voilà. ans, exactement. Applaudissez 5 pour ans. La Réunion, là, tout bien. Exactement ça. Séparation et garde de l'enfant, c'est le sujet d'aujourd'hui. Brezing l'a dit, hein. Voilà, souvent c'est compliqué de la garde de l'enfant. L'enfant reste avec qui, combien de temps, financièrement, qui gère quoi, qui paye la scolarité, comment on essaie de gérer pour que les parents, chacun des parents, puisse être satisfait au maximum et que surtout l'enfant soit épanoui. C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Premier invité, Ogou Mathias. Il nous vient de la Palmeraie. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements, 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 applaudissements. Mathias, prends place, prends place. Notre deuxième invité est commercial, elle habite à Port-Boué, on accueille Anne Bernadette. Applaudissements, applaudissements. Voilà, on accueille le syndicat est galant comme d'habitude. Hein. Tu parles. Il m'a accueilli, tu commences à parler déjà. Non, tu ne prends pas 2000 là. D'accord. C'est que émission, la couleur de l'émission non, est déjà annoncée. Non, c'est pas de ça, il s'agit. On va se calmer. Non, mais tranquillement, c'est la famille. De toute façon, comme on disait, 2000, c'est pas obligé. Celui ouais, qui ne veut pas prendre, il ne prend pas. Si tu ne prends pas, c'est que tu as ton transport. Bienvenue à nos invités sur ce plateau. C'est La Réunion, séparation et garde de l'enfant. C'est un sujet, c'est intéressant d'en parler parce que, voilà, faut qu'on puisse avoir les expériences de chacun, comment chacun essaie de faire, comment ça doit se faire normalement. Voilà, ça aurait été cool peut-être d'avoir un juriste, mais comme on a une juriste parmi nous... Non, arrête. Odile n'est pas juriste. Il faut laisser ça là. Tu as fait droit pendant 10 ans, non? Pendant 10 ans, non? Pendant 4 ans. Non, mais au moins, tu vas nous donner au moins quelques notions vite non, fait. Non, mais tu ça, vois. C'est des trucs, c'est des articles, il faut regarder. Même les juristes, les avocats. Il faut qu'ils regardent avant toujours. Avant de gérer un cas, ils ont quand même. D'accord. Pas grave, pas grave. Mais elle s'est désengagée. Juriste, elle devait venir. Juriste, n'est pas là. C'est pas de ma faute. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on a nos invités, Mathias. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Émission, bonne ambiance, un détente tranquille. Ouais. Tu vois, on essaie de se parler. Mathias, ouais. Quel âge a ton enfant, l'enfant dont tu veux nous parler? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans, c'est une belle fille alors. Tu es toujours avec la mère? Non. D'accord. Mais c'est quoi les circonstances? Comment tu rencontres sa mère? Comment vous vous laissez? Sa mère vivait au Nigeria. Ok. J'ai été rendre visite à mes frères et je l'ai rencontré. Et c'est de là que c'est parti. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, tranquillement. Donc alors. Au début, tout était tranquille. Ouais, ça s'est bien passé. Je l'ai épousée. Si ah ouais, mariage, même oui, tout ça. Elle est venue, mais pas légale. Ok. Traditionnel. Traditionnel, si voilà. Ça compte aussi ça. Elle est venue me rejoindre à Abidjan. On vivait ensemble tranquillement, sans problème. Et c'est pendant la crise de 2010 là. Mm-hmm. Notre fille avait déjà 2 mois. Mm-hmm. Et j'ai décidé de les faire partir au Bénin. Au Bénin, ok. Voilà. Et puis rester en Côte d'Ivoire, moi seul, à cause de la crise. Ok. Et après, quand ça n'allait pas, je suis allé les rejoindre.
OK. Et étant là-bas, on m'a appelé, ils ont pillé ma maison, ils ont pillé mes magasins. Bon, je n'avais plus rien. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas revenir avec la famille. J'ai demandé, reste là, je vais me chercher un peu, puis bon, je reviens. Et je suis venu, je crois, un an, avant un an même, elle a déposé la fille avec, avec sa mère et elle allait vivre avec un autre mec. Ah ouais? Ah ouais. Il y a quoi, hein, ouais. Famille? Pendant que toi, tu étais venu te chercher pour voilà, pouvoir... Vous étiez en contact tout ce temps? Non. Quand elle est partie, j'ai fait pratiquement un an, je n'avais pas de ses nouvelles. Et... Non, avant qu'elle ne parte. Parce non, que... on était constamment en contact. Okay. Non, c'est moment... dans ça là, elle est partie. Oui. Même j'ai été, avant son départ, j'ai été au Bénin la voir. Et je suis parti avec un ami. Bon, peut-être il va regarder l'émission. Il s'appelle Yves Amani. On a été ensemble. On allait la voir et j'ai décidé. En ce moment, j'étais déjà un peu stable. Okay. J'ai décidé à ce qu'elle vienne me rejoindre. Elle m'a dit non, tu m'as laissé un peu d'argent pour faire commerce. Ça commence à aller. Bon, est-ce que. Ah, c'est toi qui as laissé l'enfant faire le commerce? Oui, c'est moi. Elle m'a dit non, ça commence à aller, est-ce que je vais laisser, est-ce que je vais laisser. Bon, j'ai cherché à la convaincre, elle m'a dit bon, je vais laisser ça à ma petite sœur. Mais va, à la fin du mois, je te rejoins. Oh, nous étions au 20 du mois. Et je suis venu, arrivé à Abidjan, ce jour, je l'ai appelé. J'étais à la frontière, mais quand j'ai fini de remplir la formalité, j'ai traversé la frontière. Dès que j'ai garé, je l'ai appelé. Bébé, je suis déjà à la frontière, je suis déjà rentré en Côte d'Ivoire. On a causé, elle dit il n'y a pas de souci. Et je suis arrivé à la maison, je l'ai appelé. Et je ne l'ai pas appelé le lendemain. Le surlendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, ça va. Elle a dit oui. Est-ce que ça tient à la fin du mois? Elle a dit oui. Est-ce que ça tient? Elle t'a rassuré? Oui. Et le surlendemain, je l'ai appelé. Son numéro ne passait ça pas. Ça passe plus. Waouh. J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai appelé sa mère. Sa mère m'a dit, elle m'a dit, elle va au Nigeria. Elle va aller acheter ses marchandises. Et depuis lors, je n'avais plus de ses nouvelles. Jusqu'à 6 mois, j'ai décidé d'aller prendre ma fille. Ok. Je suis allé, j'ai pris ma fille, elle est venue avec moi. Ok. Et c'est un an après, j'ai eu de ses nouvelles, elle allait vivre avec un mec. Mais jusqu'aujourd'hui, bon, elle demande à revenir, mais ça. C'est plus possible. Tu as comment envie d'arriver? Allez, le gars, il a commencé à se refaire. Sachez bleu devant la porte, il y a quelqu'un de 30. Ou bien, vraiment, il y a. Mais c'est la vie, moi, je pense que c'est la vie. On va venir par rapport à l'enfant maintenant. Ouais. Comment vous avez décidé de vous organiser, genre, par rapport à la petite? Parce que... Au début, c'était difficile, puisqu'elle était un peu petite. Mais maintenant, bon, elle a grandi un peu, voilà. D'accord. Mais sa mère ne demande pas à la voir? Non, sa mère, même tout dernièrement, parce que j'ai perdu mon père. Mon père vit à Cotonou, il est à la retraite, il vit à Cotonou. Et je l'ai perdu le 14 mai, c'était mon anniversaire. C'est ce jour-là même que j'ai perdu mon papa. J'ai été au Bénin pour son enterrement et... Quand elle a appris que je suis venu, elle est venue. Okay. Ma fille même était avec moi, elle a vu sa maman. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas des gens à critiquer, ta mère a fait ça, attention, ta mère a fait micro. Ça. Ma fille m'a posé la question un jour, pourquoi maman n'est plus là? J'ai cherché des mots, j'ai dit, bon, maman, elle allait voir hier, mais ça va aller, c'est comme ça d'y a décidé. Ok. Et voilà. Elle a fait d'autres enfants? Non. Mais elle ne la voit pas régulièrement, c'est-à-dire qu'elle ne se parle pas souvent. Non, pas régulièrement. Parce que tu ne veux pas, mais parce qu'elle ne veut pas. Non, pas parce que je ne veux pas. À chaque fois qu'elle m'appelle, souvent elle m'appelle, je ne suis pas à la maison. Voilà. Elle ne peut pas te louper H24. C'est-à-dire qu'elle peut te louper deux fois. Laisse Mathias, on va laisser mijoter Mathias. Il a dit quelque chose qui est important. Tout de suite, on va rentrer maintenant en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de pourquoi, de comment, on ne sait pas. Anne Bernadette, ça va un peu? Oui, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On est très content de te recevoir. C'est pareil pour moi. L'enfant dont tu vas nous parler, il a quel âge, l'enfant? Il a 9 ans. 9 ans? Un beau garçon alors. Ah, d'accord. Et tu n'es plus avec le père, je suppose. Kéké. Tu vas nous donner un peu ta jeunesse aussi. Comment tu l'as rencontré, tout ça? C'était au Nigeria pour Mathias? Non. Toi, c'était ici. C'est ici. Ah ouais? Explique-nous un peu, Free. Bon, le père de mon fils, je l'ai rencontré à 13 juillet. À 13 juillet, ok, oui. D'accord. Puisqu'auparavant, j'étais à 13 juillet chez ma tante. Ok. C'est là-bas que je l'ai rencontré. Lui aussi, il habitait à 13 juillet chez sa tante. Nous, on s'est croisés. Il m'a dragué, on s'est aimé. Au début, le love était doux. Serré, mais on faisait les uniformes dans le quartier. Les uniformes. Okay. Ah ouais? Ça n'a jamais été possible, ça. Jamais. Vas-y. Jusqu'à quand la grossesse est sortie au début. Ok. C'était toujours. En tout cas, il était content. Il était à mes petits soins. Comme tout bon Dieu, il a décidé d'aller à l'aventure. Il dit, puisque son papa vivait au Canada. Ok. Donc son papa a décidé de le faire partir là-bas. Ok. Quand il est parti au début, ça allait bien, les appels, les 1 mois,
2 mois. Pendant la grossesse alors pendant... Non, quand j'ai fini. Tu as fini d'accoucher tranquillement, ok. L'enfant avait 2 mois quand il est parti. Il est parti, mm-hmm. D'accord. Tout allait bien, on s'appelait. Souvent, il séançait. Arrivé un moment là. Ah ouais? Ah. Après combien de temps comme ça? Un an? Après? Un an, hein? Un an? Quand tu appelles, il te rappelle. C'est comme ça, il t'a anesthésié? Et il est appelé. D'accord. Après, il était au Canada, c'est ça? Ok, après, d'accord. Après, il appelle. Jusqu'à ce que son papa ait décédé, il a eu les problèmes avec la femme de son papa. Attention, Yako, micro. Yako, attention. Yako. Mm-hmm. Il est reparti sur... Il est parti en Angola. Il partait travailler en Angola. Ok. Quand il est arrivé là-bas maintenant, là, appelle même, c'était Ram. Il a tout barré. Yako. Donc, j'étais maintenant souvent en contact avec sa maman. Mm-hmm. Souvent, il partait et envoyait l'enfant chez sa maman. Non, moi aussi, quand c'est une bizarre, là, il a piqué ma crise de gros cœur, il allait déposer l'enfant. Aussi? Chez sa maman. Tu allais déposer l'enfant là-bas? Aïe. Ah ouais? Bonus même. Il a déposé chap-chap. D'accord. Et lui, il disait quoi? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est chez sa maman, il était content. Là-bas, là, je suis sûr qu'il appelait. Tout, ok. Tout donc, toi, tu allais déposer, c'est toi, il avait un problème. Ah, voilà, en il voulait fait. Plus être avec toi. Donc, en après, fait. Il réfléchit quand. Non, un dimanche, je suis que sa maman et puis moi, on fréquente la même église. D'accord. En plein culte. Mon enfant m'a vu, il a commencé à pleurer. Ça m'a travaillé. De... Donc, tu as décidé de le récupérer. Il avait un an et quelques. Okay. Il m'a vu, il a commencé à pleurer. Ça a commencé à grand-mère. Tout le quand le culte est fini, c'est allé voir ma tante. Il dit, moi, il n'est pas mon enfant. Elle dit, non, il dit, il est pour mon enfant. C'est comme ça, je suis allée prendre mon enfant, en tout cas. Et puis, ça m'a ouvert plein de portes. Amen, mm-hmm. Amen. C'est déjà une très bonne chose. Ça m'a ouvert plein de portes. Totalement les portes. Ça a été ma joie quand j'ai récupéré mon enfant. Tout a commencé à aller bien. Okay. Tu as senti la différence, en fait. Oui, j'étais heureuse. Je ne vivais plus chez quelqu'un. J'étais chez moi maintenant avec mon fils. Okay. Quand je quitte au travail, je viens, mon enfant est là, il m'accueille. Souvent, il me dit, maman, j'ai balayé la chambre pour toi. Ouais, le petit, il a l'envie. Applaudissements. Mais applaudissez sérieusement. D'accord. Bon, on est sur l'enfant. Hein. Oui, le fameux enfant béni, on est content. Il s'appelle comment? David. David, ah, vraiment. Il va tuer des Goliaths. Le roi David. Le roi David. Mais est-ce que son papa, il est impliqué dans la vie de l'enfant? Bon, au début, il a eu des problèmes. Non, c'était pas... Au début, quand il était ici, étant un peu d'argent, il l'envoyait. Non, arrivé un moment donné, moi, mais j'ai eu les échos que puisque je causais avec ses amis, mm-hmm. que sa situation n'était pas trop ça. Au début, il voulait faire histoire. Mais comme moi, je me suis rendu qu'après le décès de son papa, mm-hmm. il a des problèmes. Tu as laissé. J'ai pas voulu faire de bruit. Ok, ok. Donc, okay. J'ai laissé, moi, mais je faisais. Et quand il peut, sans que je ne le demande, lui-même, il fait lui-même, des gestes. Il réagit. D'accord. Mais jusqu'à d'accord. présent, il n'est pas ici. Il non, vit pas il ici. N'est pas là. Okay, il vient, d'accord. quand il vient, l'enfant va chez sa maman, oui, c'est là-bas, il se voit. Ah, c'est comme ça, parce que je voulais demander quelle décision vous avez prise par rapport au bien-être de l'enfant. Quand il est là, l'enfant va chez sa maman. D'accord. L'enfant d'accord. avec moi, la rentrée. Okay. Quand on dit congé, il va chez sa grand-mère paternelle. Super, ah, okay. super, super. Ah, mais c'est une mais bonne quand histoire, même, oui, applaudissements pour franchement. Ça. Franchement. Donc, financièrement, c'est toi seul qui, en tout cas... Bon, je fais, il fait aussi. Hein? Il fait aussi. Il fait, il m'épaule souvent. Il t'épaule souvent, quand d'accord. il peut, il le fait. D'accord. Sa maman aussi me parle beaucoup. D'accord. Alors, même oui, sa maman, elle est là. Ok, ok. Est-ce okay. qu'il y a des désaccords entre vous? C'est dit que c'est vrai qu'avec l'enfant. Actuellement, on est bloqué sur WhatsApp même. Ah! Donc, c'est quoi? C'est quoi le désaccord? Non, avant qu'elle nous donne les désaccords, on marque une petite pause, on revient après la pub. On est de retour de la pub, on est sur le plateau de La Réunion, séparation et garde de l'enfant. Nous sommes avec Anne Bernadette qui est en train de nous expliquer comment son enfant béni déjà lui a ouvert les portes. Maintenant, tu nous dis que toi et puis ta belle-mère, mais c'est elle lui qui t'a bloqué sur WhatsApp. C'est elle qui t'a bloqué. Elle et puis son chéri, son c'est pas mon chéri. Pardon, doucement, pas du passé. Elle et puis son chéri. Mon petit love qui est là-bas, ça va devenir vite. Mais justement, on va en parler de ton nouveau petit love. Parce qu'il faut qu'on voit comment ça se met en symbiose. Mon ancien love. C'est lui l'homme qui est pourquoi? Passé jusqu'à là. Dépassé. Pourquoi vous êtes bloqué? C'est au début, là, quand il n'envoyait pas l'argent. Tu faisais des histoires. Il faisait des histoires. Ok, ok, mm-hmm. ok. En tout cas, il n'était pas compréhensible. Et puis, on en direct aussi. Non, mais non, direct, c'est quoi? C'est la réalité. Un peu des histoires. Puis au début, quand il a su qu'il a refait sa vie là-bas, mélangez un peu des jalousies de façon. Quand il demande, et puis mélange-toi en même temps. Mm-hmm. D'accord. Mais c'est ton droit. Hein. C'est ton droit de. Voilà. Donc, au début, là, vraiment, quand c'est comme ça, ça le fatigue. Tu as envoyé vocation. Il y a tant minutes pour envoyer vocal. Où il dort? Ah, où il est couché, sa femme, là, parce que ça, il a envoyé vocal. Il sait que ça fait le feu, non, là. Non, mais elle... bloqué de récemment, là, c'est pourquoi? Oui. Il s'est supporté. Quand c'est comme ça, là, on commence à se bloquer.
Mais comment il envoie? Mais quand il vient envoyer l'argent, sa maman, c'est sa maman. Et sa... Sa maman m'envoie. D'accord. Donc là, vous êtes bloqué. On est bloqué même. Vous êtes bloqué depuis quand? Ça peut faire 3 mois. Ça fait 3 mois. Tu es en train de parler comme ça. De toute façon, tu parles là. Ça ressemble à Love, on n'a pas encore oublié. Non, Love, Love l'a oublié dès. Mais si Love le débloque, le, pourquoi ça a minuit tu vas notre vocal là? Pourquoi est-ce fâché? Tu dis que c'est mélangé à jalousie. Non, ça c'est ton vent. Mais maintenant, il n'y a plus jalousie. Allez là. Bon, c'est bloqué pourquoi? Tu veux mettre la femme en un peu? C'est bloqué pourquoi? Elle est un nouveau chéri qui est là. Tu veux mettre la femme en un peu? Elle n'est pas dit ça. Aïe! Je ne me reconnais pas. C'est pas ce qu'elle a dit. Tu dis que tu es d'un nouveau Love. C'est pas ce que tu as on dit. Je ne peux pas dire quelque chose doucement ici, Adam. Ah, ben. Ah. On ne peut pas dire quelque chose doucement ici. Aïe. Aïe. Bon, allez, d'accord. Sur plateau ici. Bon, il y a doucement qui est où? Tout est mélangé ici. Hein? Tu sais, il y a un micro. On va, les micros, on va fermer. Mais tu sais que même ça, tu chuchotes là. Ça, on entend. Ça sort. Ah, yes, hein? Donc là, je ne sais pas si que tu es caché de qui. Bon, tu as dit que tu l'as bloqué. Tu dis que ce n'est pas la jalousie. Non, au début, là, c'était mélangé. Donc, maintenant, maintenant c'est plus... bloqué. Donc, vous êtes bloqué, là. Mm-hmm. De toi à moi, de à nous. Mm-hmm. Tu es passé réellement à où? Tu n'es plus fan de lui ou bien... Non, il ne suis plus fan même. Mais tu n'as mais il est bloqué. Parce que souvent, là, quand il y a, si il y a, il y a une, l'enfant a une préoccupation, quand il envoie un message comme ça, souvent, il va me dire, hey, après, il te répond. Pourtant, c'est urgent, hein. Okay. Mm-hmm. Donc, c'est tout ça et puis ça énerve. Mm-hmm. Donc maintenant, il a préféré le bloquer. Il ne voit pas ses statuts, il ne voit pas mes statuts, il ne lui fait pas commission. Quand il y a commission, là, c'est la belle-mère qui il envoie à sa maman. D'accord. Elle l'envoie. Aujourd'hui, avec l'enfant, il fait combien de temps chez toi et combien de temps chez la belle-mère? Comment tu essaies de faire ça? Puisque sa maman et moi, on est à peu près dans le même quartier. D'accord, d'accord. Donc souvent, les vendredis, qu'elle a envie de le voir, elle m'appelle. Il n'y a pas de jour défini en fait, c'est quand elle a envie, elle vient. Non. Le vendredi, c'est rare, mais souvent, quand l'enfant va, une fois que l'enfant est en vacances, mm-hmm. le lendemain, il va, là-bas. Il va chez sa grand-mère. Il okay. finit tous ses congés là-bas. Il fait tous les congés il là-bas. Il connaît son papa. Il bien, c'est une bien photocopie crachée de son papa. Photocopie crachée okay. de son papa. D'accord. Est-ce que tu penses que le fait que ton ex-love ne soit pas là, ça a un impact sur l'enfant? Bon, au début, oui. Quand je faisais les histoires avec son papa... Il sentait ça? Il sentait ça. Ok. Souvent, il arrivait à lui dire que, maman, quand tu dis des trucs comme ça, ça ne me plaît pas, ça me rend triste. C'est l'enfant qui te disait oui, ça? Mon fils, il me dit ça. D'accord. Il est éveillé, alors? Parce que... Quand tu me dis des trucs comme ça, ça me rend triste. Souvent, il me dit, maman, je vais te parler. Quand il vient, il me dit, maman, quand tu veux me soutenir, souvent, tu dis non de mon papa, là, ça me rend triste. Ah. C'est un nom du vieux type, même. Aïe. C'est là, elle est un peu énervée, c'est dans son cœur. Non, et puis au début, même quand il me fait quelque chose, là, quand l'enfant fait petite chose nette, là. Et décharge ça sur lui. Sur l'enfant. Yaku. Mais maintenant là. Et aujourd'hui c'est passé. C'est, non, c'est passé, ça c'est va. Tranquillement, tranquille. Tu vis. Quand il y a un petit, donne un petit téléphone à son fils, il sait qu'il appelle. Ok, d'accord. Ils sont toujours en contact. Il sait qu'il appelle. Parce que quand il prend les appels. Tu vois des numéros. Il voit beaucoup, beaucoup de numéros. Il sait que. D'accord. Il a 9 ans, non, c'est ça. Oui, il a 9 ans. Parce que la question de Brazing était importante. Est-ce que l'enfant, comment il sent ça? Parce qu'au final, c'est pour lui. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu es en colère hein, contre lui, tu l'as bloqué. Pour ne pas dire vous êtes bloqué. Mais je pense qu'il y a ce moment-là où... Là, tu le fais pour toi. Mais je pense que si tu penses... Peut-être maintenant, il y a un téléphone, l'enfant peut parler directement à son père. Mais s'il n'y avait pas ce téléphone-là, là, je t'aurais dit que c'est égoïste. Parce que là, tu le bloques parce qu'à cause de toi, la relation que tu as avec lui. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'enfant a une relation avec son papa. Donc souvent, il faut... Pour être équilibré, tête, quoi. Tu veux pas que ça... Je sais que tu es bêté, que le sang il est fort. En tout cas, son sang mais est fort. Souvent, tu vois, faut blé un peu. Mathias, oui. Donc c'est toi alors, on revient sur toi. Ouais. Toi, c'est financièrement, je me dis, c'est toi qui gères tout. Hein. Ouais, tu n'as pas, tu n'attends pas d'aide, mais tu n'attends pas de participation. Non. Mais comment ça se passe? Quand elle veut voir, mec, elle vient souvent pour voir ta fille. Comment ça se passe? Il faut dire que depuis que... Elle n'appelle pas là. Non, ouais, c'est ça qu'il disait. Ouais. Depuis que je l'ai récupérée, qu'elle est avec moi, bon, elle n'est pas venue ici. La elle n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. C'est quand mon papa est décédé, on allait... Oui, au Bénin, voilà. C'est là seulement... À part ça, elle n'appelle pas, elle ne cherche pas. Non, elle appelle. C'est normal. Je lui ai dit, parce que moi, je ne peux pas mener une vie comme une femme. C'est-à-dire? Voilà. Elle, tout à l'heure, a expliqué son histoire. On sent que tout le temps, elle déchaîne, elle est ouais, fâchée, toi, tu ne peux pas faire ça, tu es un homme. Ouais. C'est ton enfant. Même si aujourd'hui elle devient présidente de la République, voilà ta mère. Si nous ne sommes plus ensemble, je ne peux pas la faire soi aussi en train de raconter des histoires. C'est vrai, sa maman a fait des choses qui m'ont touché, mais je ne peux pas rentrer dans tout ça. C'est ton enfant. Si tu veux voir ton enfant, tu me dis je veux voir mon enfant. C'est tout.
Si tu veux causer avec ton enfant, tu m'appelles. Tranquillement. Allons, cause avec ta maman. Mais toi, tu permets ça, hein, tranquillement. Non, moi, à mon niveau, il n'y a pas de souci. La petite, elle arrive à causer comme elle veut. Voilà, mais c'est pas ce que tu dis. Toi, tu nous fais quoi quand on t'est raté? Mais quand elle appelle, non, tu n'es pas à la maison. Non, elle m'appelle que je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison, je fais comment? Ok. Je lui dis... Mais quand tu viens, tu rappelles. C'est ouais, ça. Ouais, bon. Et je ne suis pas obligé de rappeler. Je la laisse avec ah. Non. Comment? Non, je ne suis pas... En gros, ce que je vais te demander, parce que tu es en train de conjuguer. Hein. Non, je ne suis pas en train est-ce de conjuguer. Est-ce que toi, oui, et puis la mère de ta... Honnêtement, mm-hmm, en toute objectivité, oui, est-ce que tu estimes que vous êtes en de bons termes? Oui, très. Très bon, okay, thème. Très. Si elle peut parler avec sa fille dans la semaine combien de fois ou dans le mois? Bon, peut-être une fois, deux fois dans le mois. Une fois, deux fois. Oui. Ah, c'est pas bon. Un jour, elle m'a appelé. Je lui ai dit, en journée, moi, je travaille. Je ne peux pas être à la maison. Et la fille, je ne peux pas la traîner avec moi parce que tu veux causer avec elle. Mm-hmm. Je t'ai dit, appelle le soir. Mais le soir, à ma grande surprise, tu n'appelles pas. C'est parce que ton mec t'empêche d'appeler ou bien c'est quoi. Donc, elle a commencé à rire. Donc ça, je ne peux pas rentrer dans... Non, ça, t'accordes ouais, ça, honnêtement. À ce niveau-là. Applaudissements pour lui, applaudissements pour lui. Voilà. Il y a trop de questions, wesh. Ouais. Cette séparation-là, tu penses que ça a eu quel impact sur ta fille ou ça a quel impact sur ta fille aujourd'hui? D'accord. Moi, je le dis pas parce que je suis en train d'accorder l'autorité ou bien les hauts niveaux aux hommes. Mmh. Mais il faut dire, quand un enfant, après la séparation, vit avec son père, parce que de toutes les façons, la mère transmet l'éducation du père aux enfants. D'accord. C'est le rôle de la mère à la maison. Mmh. Votre papa arrive, l'enfant reste calme. Ça ah, ok, que, ok, ok. Ça veut okay, dire que okay, le père, okay, la vie que le père mène, c'est l'autorité enfants, voilà, du père qui est transmise. Voilà. Ok, ok. Donc, voilà. Donc, si un enfant vit avec son père, du moment où tu ne la maltraites pas, tu la fais comprendre ce que c'est la vie, elle sait quand même au moins qu'elle est en train de grandir. Et c'est bon. Je pense que ça ne peut pas avoir, ça n'a pas d'impact sur ma fille. D'accord, mais tu sais, moi ce que je te demandais, aujourd'hui tu es avec quelqu'un, tu t'es remis avec quelqu'un oui, ou pas oui, oui. D'accord, parce que il faut une figure aussi maternelle, parce que sais, à arriver à un certain âge où elle devient femme, tout ça. Ah ouais. Bon, je ne pense pas qu'elle a trop envie de causer de ça avec toi, hein, tu vois. C'est ouais, plus... Normalement, elle est censée parler ça peut-être avec sa mère. Ah, maman, ouais, voici aujourd'hui, je suis devenue femme, tout ça, tout ça. Tu ne connais pas, ouais, tu vois un peu. Donc, moi, s'il y a quelqu'un à la maison, est-ce que cette femme-là essaie de jouer un peu ce rôle-là, le rôle-là pour la oui, petite, c'est ça? C'est oui, comme c'est ça que ça se passe? C'est ça. Au fait, celle qui est avec moi actuellement, mmh, elle n'est pas avec moi. Elle ne vit pas elle avec vit moi. Pas avec ah, moi. Ok, sinon elle dit en anglais. Ouais. Elle ne c'est vit pas avec moi, voilà. Elle ne vit pas avec moi. Okay, moi, okay, je suis à Abidjan. Okay. Bon, et elle est à Boisseau. C'est, okay, moi, c'est chez moi, elle est à Boisseau. D'accord. Dans voilà, ton autre okay, maison, c'est à Boisseau. À Boisseau, okay. Boisseau. C'est là-bas, elle est. Tu aimes les laisser seules, tu n'as pas peur. C'est quoi ton frère? Peur de quoi? Mais est-ce que tu veux dire, je ne comprends pas. Il a laissé l'autre seule là-bas à son retour. Depuis qu'elle arrive, elle n'est pas venue. Il s'en a laissé l'autre à Boisseau. Elle a dit quelque non, chose. Vous savez, en toute chose, soit en entreprise, en amour, en amitié et autres, tout confiance, va sur la confiance. Hmm. Celle que là, moi, j'ai confiance. Mais je vous l'ai dit haut et fort. L'autre là, tu n'avais pas confiance. Non, mais ce n'est pas. Ah. Est-ce que c'est à cause d'elle maintenant? Je dois surveiller celle avec qui je suis. Bien sûr. Non, je suis désolé. Bien ce monsieur-là, applaudissements. Je ne peux pas le faire surveiller. Vous savez, il y a un adage africain qui dit, lorsque les brebis suivent le chien, mm-hmm, il peut manger le déchet. Mais mm-hmm, c'est que les brebis ont envie de manger le déchet. Ah, ça c'est vrai. Tu ne dois pas laisser le comportement des autres. Non, on va copier ça. Non, c'est la vérité, mais quand suspect, c'est point à tu ne dois pas laisser le comportement des autres te changer. Ouais. Quand je vois les gens au début dire, parce qu'il y a vécu ça dans le passé, c'est pour ça que non, je suis devenu ça. Non, mais cette mentalité-là, j'ai beaucoup aimé c'est ça. Ce que tu es, mon père me dit, ce que tu es, reste comme ça. Non, mais je dis, elle-là, c'est plutôt que la confiance n'exclut pas la méfiance. C'est la ça, prudence. En fait. Oh, j'ai... Vois, non, mais prudence. Est-ce que pourquoi vous voulez faire comme ça? Non, non, moi, je suis pas en train de dire que... Mais elle, en fait, peut-être que... Moi, elle dit ça dans son truc, tu vois. Non, mais, suspect, mm-hmm, c'est très simple. Mm-hmm. Moi, je l'ai dit, il y a les choses que je ne peux pas tolérer. Même si tu me demandes pardon,
je vais te dire non. Parce que c'est moi qui vis la chose. Ok. Si tu me trompes, je t'attrape. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas de. Non, c'est fini, c'est la vérité. Maintenant. Mais maintenant, si tu penses que parce que je ne suis pas là, tu peux te cacher pour faire les choses. Même ce que tu fais au plus profond du sous-sol, un jour, ça vient à la lumière. Un jour seulement. C'est pour ça, en amour, quand tu es en amour, il faut aimer la personne avec un bon cœur. Il faut dire la vérité à la personne. Ouais. Quand la personne va commencer les bêtises derrière toi, vite, tu sauras. Toi, tu vas aller travailler, tu vas penser à comment tu vas nourrir ta famille, tu vas mettre la famille à l'aise et puis... Tu vas être stressé encore. Tu causes un qui... Il n'est pas d'accord avec mon voisin. Non, tu n'as pas d'accord. Et si c'est lui qui trompe, on fait comment? Il s'en va aussi. Non. Mais là, n'est pas le sujet. Il ne trompe pas, Et, écoutez, ce qu'elle a dit là, je la comprends bien. Je suis d'accord avec elle. Mais je ne peux pas partir de ma maison. Yéli. Il ne peut pas partir de la maison. Regarde, si je te trompe, que tu m'attrapes, je vais reconnaître. Je ne suis pas des gens à être arrogant. Et mon autorité uniquement ne compte pas de la maison. Je prends la vie de l'autre. Si je te trompe, que tu m'attrapes, je vais reconnaître. Tellement pas. Maintenant, si tu veux, si tu estimes que c'est la séparation qui peut, les hommes, là, vraiment. Qui peut vraiment régler les problèmes, on n'a qu'à avancer. Je suis chez moi. Mathias, non. Attends, faut rien dire. Le sujet là. Attends, le sujet même en train d'aller. On n'a qu'à aller dans. Non, mais Bernadette, c'est aussi, il est libre. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il ne peut pas accepter. D'accord. Si toi aussi, la femme, tu as vu ça là-bas, que tu estimes que tu ne peux pas accepter, c'est chez lui aussi. T'as fait il a dit que c'est sa chassé. Maison. Mon cher. Tu vois, moi, tu vois que ça ne t'arrange pas. Moi, non, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi, mais ce qu'il a dit est vrai. C'est chez lui. Si t'as tombé, dis-lui, bouge pas de la maison, t'as pas dit. Si t'en vas... Bon, on marque une petite pause, on revient juste après la pluie. On est de retour de la pub et je voudrais poser une question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que pour le bonheur des enfants, les parents doivent rester ensemble? C'est-à-dire que même si c'est comment là, il faut tout faire pour rester ensemble pour l'enfant. Moi, je dirais qu'on ne peut pas souder les fers et les bois ensemble. Bien parlé. Le monsieur là. Bien dit. Parce que quand il dit, si c'est comme il faut rester ensemble, c'est comme s'il va avec les bois et les fers chez Ferroni et puis il dit, faut souder. C'est pas possible. C'est déjà cassé. On n'est pas fait autrement. Tout ce qu'on peut faire, on doit faire en sorte que ça soit, que ça ne soit pas de la haine. C'est tout. OK. Parce que quand je vois d'autres femmes ou bien d'autres hommes, je me dis, est-ce que cette personne a perdu sa mentalité ou bien il a oublié les jours où il a dit je t'aime à la personne? Ça ne doit pas être la haine. Okay. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé, on laisse dans le passé. On a beaucoup de choses à faire. Voilà. Si le reste, ça, c'est pas la jalousie comme... Elle s'appelle Anne Bernadette. OK. On peut pas laisser Bernadette. Si c'est pas la jalousie, on ne doit plus se faire parler parce qu'on s'est déjà séparés. Ah. On a un enfant qui est là. Tout ce qu'on doit faire, notre priorité, c'est comment l'enfant doit évoluer. Parce que si mon enfant évolue, même s'ils ne sont plus ensemble, mon enfant va se cacher pour aller donner un père à sa maman. Je m'en fous. Je suis un père aussi, je ne me laisse pas faire, je travaille. Si tu veux, non. Diviser ton salaire en deux va donner à ta maman. C'est pas mon problème. Je peux jamais me plaindre. Mais l'essentiel, je sais que si tu es un enfant conscient, un jour tu vas t'asseoir, tu vas dire papa a beaucoup fait pour moi. Ouais. C'est déjà l'essentiel. Mathias, message. Voilà, ce moment-là, je suis d'accord. Non, mais franchement. Demande à Bernadette. Et puis je pense que c'est bientôt la fête des pères. Ouais, bientôt. Je pense. Non, mais franchement. Un cadeau de 2000. Non. 2000. Attends, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Moi, je veux. J'ai dit les hommes, vous recevez quoi pour faire des pères? Rien. Non. Laissez. Elle, à son niveau, ça va changer. Cadeau de 2000. Non, parce que Mathias. La flemme des pères comme toi, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Vraiment. Qu'on se dise les vérités.
Non, 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 qu'on se dise les vérités. Parce que ce que tu as fait avec ta fille, franchement, c'est quelque chose qui est louable. Ouais. Tu aurais pu la laisser là-bas. On voit que c'est les hommes qui abandonnent leurs enfants. Ouais. Mais toi, ce n'est pas le cas. C'est la mère qui a laissé l'enfant. Mm-hmm. Et c'est... Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse même déjà. Franchement, tu es un très bon père et Merci. Un très bon exemple. Merci. Et Merci. J'espère qu'il y aura encore, beaucoup plus de papas comme ça. Ouais. C'est, voilà. Et j'embrasse mon papa aussi parce qu'il est formidable, franchement. Franchement. Je pense qu'on va... Merci. Isabelle Aïdara Marc. Merci. Merci. On va donner la possibilité au public de toucher un mot sur ça. C'est la partie faut dire pour toi. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui voudrait... OK. Bonsoir. Moi, c'est Mariam. En fait, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur vous deux. L'expérience de chacun, en tout cas, c'est une belle expérience. Maintenant, j'aimerais savoir, sur la dent, bien sûr. Vous avez dit, lorsque vous décidez d'appeler ce dernier concernant le souci d'envoyer de l'argent là-haut pour votre enfant. Maintenant, bon, je pense que le syndicat même a joué un rôle. Parce que vous avez dit que, voilà, lorsque tu décides de l'appeler ce dernier, il faisait des foutaises, voilà, donc tu avais des jalousies, ceci, cela. Maintenant, ça vous a permis d'avoir des, comment on dit même, ça vous a permis d'avoir des portes ouvertes. Aujourd'hui, là, vous travaillez grâce à ça, mm-hmm. ou bien. Donc, le syndicat a joué un rôle aussi, il faut l'admettre. Maintenant, je vais vous poser des questions. Bien dit, oui. Ceux qui nous... Non, chez Coco. Oui. On s'amuse bien, mais tes fans existent. Non, ils sont faux. Faut pas discuter. Non, dans un mouvement qui est là. Non, mais en fait, des syndicats qui est dedans. En fait, grâce à ça, elle est devenue indépendante aujourd'hui ou bien grâce à ça. Ma chérie, tu as raison. C'est tu as raison. Voilà. Maintenant, j'aimerais poser une question. Encore. Si ce dernier décide de venir prendre la garde de votre enfant, accepterez-vous? De venir prendre la garde de son enfant. Avec plaisir, c'est son père, c'est son jumeau en plus. Ah, ok. Tu as vu, j'ai écouté ta question, tu n'as pas suivi. J'ai pas dit que... J'ai dit au début, oui. Quand on s'est séparés, là, il y avait un peu de jalousie, ce qui fait que ça a minuit, il envoie un message. Parce que nous, les femmes, là, oui. En vérité, quand il y a une séparation entre l'homme et puis la femme, là, la femme est beaucoup touchée. Les hommes, bizarrement, ils ont tendance à faire comme si de rien n'était. Mais nous, femmes, doucement. Même quand tu vois ton ex que tu as resté, ça fait 10 ans, tu le vois dans la rue, bim, avec une go, tu es énervé. C'est que tu t'en payes là, tu veux plus payer. Ah ouais, c'est vrai? Tu te retournes. C'est vrai? Oui. Pourtant, tu es dans un autre love, hein? Non. Mais toi, femme, ça te fait tout de suite. Femme, même, c'est comme ça. Non, moi, c'est limite. Blazing, c'est vrai ça? Non, limite, c'est qui fait un peu mal là. C'est que quand vous vous laissez, tu veux te marier avant lui. Oui. C'est ça. C'est ça le vrai point. Mais tu ne peux pas laisser marier. Sinon, il y a des... Si tu veux marier quelqu'un qui veut te faire, ça va lui faire quoi? Dans tous tes ex, là, il y a un là, même si ils ont dit comment tu le vomis. Même si tu es la vieille femme, tu n'as pas exagé. Si tu tentes de marier, là, il y a mariage et puis il y a mariage. Si tu tentes de marier, il veut lui demander au règne monnaie, ça ne va rien lui faire. Aïe, mais tu tentes de marier, il veut lui demander au règne monnaie. Bon, là, on est en train d'aller partout. C'est lourd. On peut prendre une deuxième personne s'il y a une personne qui veut. OK, il y a quelqu'un là. Je me nomme Domensan Machal. Oh, toi aussi. Ah, en 2022, je me nomme. Je me nomme comment? C'est quoi? Vincent, c'est ça? Domensan Machal. Machal, OK, Machal, OK. Moi, je n'ai pas d'expérience en amour, mais quand tu croises quelqu'un... quand tu croises quelqu'un, il faut t'arranger de telle sorte que vous puissiez vous entendre. D'accord. Parce que quand vous allez vous séparer... Écoutez-le, même s'il n'a pas d'expérience en amour, arrêtez. Quand vous allez vous séparer, sera des conséquences sur l'enfant. D'accord. Et puis aussi l'amour à distance. Par exemple, on a commencé ensemble, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et puis l'autre va à l'extérieur. Mm-hmm. Vraiment, ça serait un peu compliqué parce que ce n'est pas sûr que l'autre va revenir. Donc, cela peut aussi agir sur... l'éducation de l'enfant. Vous n'allez jamais vous entendre. Donc, c'est okay. Quoi ton conseil, en fait? J'ai pas compris. Mon conseil? Attends, mais... Edith, Edith, c'est ça qui veut te faire applaudir. Edith, tu veux applaudir pour quoi? Il n'a pas d'expérience en amour, tu as applaudi pour quoi? Il a tué, il a parlé là. Non, je vais connaître. Il dit, je m'énomme. Je vais savoir c'est quoi le conseil derrière. Il faut que les deux s'entendent
pour pouvoir mieux vivre, au fait. D'accord. Il ne faut pas abandonner l'autre. Attends, c'est pour ça que tu parles normalement. En tout cas. Oui. Il parle comme si c'était récité. Donc, oui, la différence en amour, c'est que tu as dit là, ça dépasse. On va faire une dernière personne. Machal, tu as raison. Il n'a pas d'expérience. Tu as de l'expérience? C'est énorme. Tu as de l'expérience? Tu as de l'expérience un peu? Je ne vais pas parler sur ce thème-là. Bon, je ne sais pas si vous voulez. D'accord, vas-y. OK. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je suis Émile. Je voulais juste honorer l'intervention du monsieur. Parce que c'est un monsieur vraiment à encourager. Mm-hmm. J'ai entendu quelque part quelqu'un me dire un jour qu'on peut poursuivre deux lièvres à la fois. Mm-hmm. Et moi, j'ai tiqué, je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'on parlait du domaine du football, il m'a dit, mon petit, si tu es un étudiant ou bon, un élève, tu ne peux pas jouer. Bon, moi, c'est ce que j'ai dit, tu ne peux pas jouer et puis aller à l'école. Mm-hmm. Il m'a dit non, tu peux jouer, tu peux aller à l'école parce mm-hmm. que ça ne peut pas t'empêcher. Il faut savoir s'organiser. Donc, il m'a fait savoir que si les deux lièvres courent ensemble, on peut les poursuivre ensemble. Et on courir ensemble, les deux lièvres. Oui. Pour... Non, parce que l'école, parce que les études vont ensemble avec le football pour quelqu'un qui est passionné. D'accord. Donc, c'est juste rebondir sur son cas parce qu'il est resté auprès de sa fille. Malgré qu'il avait ses préoccupations, il n'a pas laissé la fille peut-être chez sa maman. Pour ses occupations, il a pris sa fille donc, avec... Ici, les lièvres, c'est son occupation et puis son enfant, sa fille. Son oui. enfant, c'est ça, c'est son lièvres. Occupation et puis sa fille. D'accord. OK. Donc je termine pour vraiment honorer son propos. Son, quoi, ouais, ses propos qui ont été illustrés tout à l'heure. Et je salue aussi ma maman chérie. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Non, merci pour les lièvres, pour les trucs. Vraiment. Je me nomme tout ça. Les deux lièvres courent ensemble. Ils courent ensemble. Ouais. Moi, mais je cherche lièvre, je cherche Mathias, je cherche son enfant. Il dit, mais où est lièvre, où est Mathias? Mais on va faire des derniers tours de table. Mm-hmm. Voilà la caméra là-bas. Mm-hmm. Mathias, on va terminer par toi. Mathias, tu regardes la caméra. Tous les papas inconscients. Parce qu'on veut des papas Mathias. Ouais, on veut des voilà. papas Mathias. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces papas-là? C'est bientôt la fête des pères en plus. OK. Merci beaucoup. Je le dis toujours, il n'y a pas papa inconscient. Il n'y en a pas. Souvent, c'est vrai de bien vouloir toucher à un idéal, mais quand ton destin modifie ton chemin, tu es obligé de contourner. Souvent, c'est crédit qui fait qu'on contourne les quartiers. Ouais, ah, ça, tu dois, je dis alors, tu dois passer là-bas. Tu dois continuer quand tu à cause de 100 francs souvent, parce que tu sais qu'il va te parler mal. Sinon, toi-même, là, au fond de ton cœur, tu sais que si tu as ces 100 francs, tu vas donner puis tu vas passer. Mais quand tu n'as pas ça, tu continues de quartier. Et tout ce que je peux faire, c'est de prier pour ces personnes qui, à cause de leur situation, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, bien, n'arrivent pas à rester là pour les enfants. Que vraiment que Dieu change la situation. Amen. Mais si d'autres aussi qui veulent fuir les responsabilités... Il y a des inconscients, Mathias. Voilà. Et d'autres aussi qui veulent fuir les responsabilités, qui ne fuient pas les responsabilités. Voilà. Les enfants, lorsque tu deviens vulnérable, ce sont tes enfants qui peuvent vraiment venir te soutenir. C'est bien donc, dit. Donc, il faut c'est rester là, dit. Tes enfants. C'est bien faut... dit. Voilà ta caméra, les gros qui sont là, le gars n'est plus là, il s'est debout pour envoyer là, il se fâche, le bloc là. Regarde tes copines et puis il faut leur parler. Il leur a donné conseil. Oui. Vraiment, j'aimerais dire à toutes les femmes, à toute la jeunesse, surtout aux petites filles qui viennent de sortir maintenant là, pied là. Quand vous faites enfant avec les personnes, si au début ils te donnent, qu'avec un certain moment ils te disent n'a pas là, il faut le comprendre. Ça ne sert à rien de faire par là-bas 6 heures à minuit. C'est-à-dire que tu as été énervé comme moi je le faisais dans le passé. Venir taper. Ça ne c'est pas une bonne chose. Ton silence même là peut emmener l'homme à changer de comportement. Mais quand tu ne parles pas, s'il n'a pas, il va dire, et toujours il dit il n'est pas. Et puis elle me comprend. Il va faire l'effort de le faire. La colère là, ça ne résout rien. Mm-hmm. Si le gars n'a pas, il faut te battre dignement. Il faut aller te battre à gauche. Il faut bien chercher. Il y a l'eau, tu peux vendre. Il y a travail, il faut chercher. Tu vas t'occuper de ton enfant pour que demain ton enfant soit fier de toi. Parce que si tu montres une mauvaise vie à ton enfant,
Quand il m'a demandé après ta main, il m'a dit, je ne sais pas où elle est partie. Mais ton enfant, mais quand il te voit passer de loin, et puis il a ses amis, il crie, voici ma maman là-bas. Parce qu'il est fier. Non, franchement, félicitations à tous les Mathias, à tous les papas Mathias, à mon papa M. Haïdara aussi, qui est un papa formidable. Oui. Merci à tous ces bons pères-là. Je me nomme Brezinger, il se nomme Suspect 95, c'était La Réunion. Merci. Bon, on n'est plus à présenter, moi c'est Brezinger, voilà Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'une minute maximum. Je précise, une minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est La Réunion. Restez positionnés, on est ensemble. Orange Money.